Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est mon haul try on de ma commande Pretty Little Thing. Donc pour ceux qui se posent la question, Pretty Little Thing livre en Martinique et du coup en Guadeloupe aussi je pense, mais il faut passer par le site.com, donc prettylittlething.com, donc c'est le site anglais. Donc les prix sont indiqués en livres, les tailles sont indiquées en taille anglaise et ou américaine, j'en sais rien. Mais avec le tableau de conversion des tailles, vous pouvez vous y retrouver. Et pour le prix, ben, vous allez sur Google, vous tapez conversion livre euro et comme ça, vous savez à peu près de combien vous serez débité. Puisque même si le panier en livre affiche, je sais pas, 319 livres, vous n'allez pas payer 319 euros, malheureusement. Bref, donc pour les délais de livraison. J'ai passé ma commande le 28 août, je l'ai reçue hier, donc c'est-à-dire le 4 septembre. Donc ça m'a pris une semaine pile pour arriver, donc à ce niveau-là, je n'ai rien à dire. Il faut savoir que j'ai passé la commande deux fois, tout simplement parce que la première fois, mon colis, enfin je me suis réveillée un beau matin et j'avais reçu un mail de PayPal me disant que j'avais été remboursée de l'intégralité de ma commande. Et j'ai pas compris, donc je les ai contactés sur Twitter, en DM, pour leur demander le pourquoi du comment mon colis avait été complètement remboursé, puisque je n'ai évidemment pas reçu de mail de leur part, ce qui n'est pas top. Et après quelques recherches, ils m'ont expliqué que mon colis avait été perdu par le service de livraison et que par conséquent, ils me remboursaient. Donc bon, j'ai trouvé ça quand même cool qu'ils le fassent avant que j'attende 3 mois pour recevoir mon colis et qu'au final, je ne le reçoive jamais, que je doive ouvrir une plainte ou je sais pas quoi. Mais bon, ça aurait été encore mieux de recevoir un mail m'expliquant que voilà, j'étais remboursée pour telle et telle raison. Ensuite, pour ma commande, donc j'ai commandé 33 articles, donc une majorité de vêtements. Il y a 2 accessoires et 2 paires de chaussures. J'en ai eu pour un total de 324 livres et 14 cents, ce qui me revient à 374 euros et 2 centimes. C'était une très grosse commande, mais j'ai eu, vu que mon colis m'a été livré par DHL, des frais de douane. C'est-à-dire que j'en ai eu pour 101 euros de frais de douane. Du coup, pour relativiser, parce que c'est clair que ça m'a fait très très mal de payer les 101 euros de frais de douane. En fait, déjà de base, pour me dire, ok, tu payes 374 euros, mais ça vaut le coup. De base, j'avais divisé en fait le montant total par le nombre d'articles. Donc 374 divisé par 33, ça fait 11 euros. Donc à 11 euros l'article, franchement, c'est correct. Et avec les frais de douane, ça me revient à 14 euros l'article, ce que je trouve toujours correct, sachant que ce sont des vêtements que je n'aurais pas trouvé ici, que je n'aurais pas acheté ici ou que j'aurais acheté plus cher. Encore, je ne vais pas me plaindre, même si ça m'a fait très très mal et évidemment, j'aurais préféré ne pas avoir ces 101 euros là à payer. Du coup, je vais quand même vous indiquer dans quelle taille j'ai pris mes vêtements. Alors normalement, pour mes hauts, je prends du 36. Pour mes bas, je suis entre le 38 et le 40. Et pour mes chaussures, je fais du 39. Du coup, les hauts, je les ai pris en taille 8. Les bas, je les ai pris en taille 10, donc ce qui équivaut à du 38. Et pour les chaussures, je les ai pris en taille... Pardon, j'ai mis d'autres en bas, en taille 6, donc c'est du 39. J'ai essayé les chaussures et ça me va. Pour les vêtements, je ne les ai pas encore essayés, donc vous allez vraiment tout découvrir en même temps que moi sur les plans qui suivent. Normalement, j'ai un code parrain, donc je vais vous l'insérer à l'écran et dans la barre d'infos. J'ai tous mes codes promo dans la barre d'information, donc n'hésitez pas à les consulter régulièrement pour voir si je n'en rajoute pas ou autre. Et puis voilà, hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit, les codes sont là. Donc les chaussures arrivent dans une boîte comme ça, voilà, bon la boîte comme vous pouvez le voir elle est complètement explosée, mais bon on s'en fout un peu, je comptais pas la garder. Donc ma première paire de chaussures c'est une paire de sandales compensées, donc elles sont comme ça, je pensais pas qu'elles seraient aussi hautes mais après bon ça me dérange pas, c'est pile ma taille, c'est vraiment pile ma taille, donc je suis contente, il y a une bride comme ça à la cheville et voilà. Elles m'ont l'air de bonne qualité. Ça pue moins qu'hier quand j'ai ouvert le colis, mais ça pue quand même. Mais bon, après, bon, ce sera dans mes pieds, donc en soi, ça ne devrait pas me déranger. Et voilà, donc là, il y a un liseré en... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et voilà, c'est un motif serpent. Il y a beaucoup d'articles à motif serpent, simplement parce que je pense que c'est la mode en ce moment. Et il n'y avait que ça sur le site, donc j'ai pris pas mal de vêtements dans ce style, en soi ça me dérange pas. La seconde paire de chaussures c'est une paire de talons,
Donc, et normalement, elles étaient livrées dans chacune dans un petit pochon comme ça, ce que je trouve bien. Surtout que ce sont des chaussures qui sont en daim ou simili-daim. Donc, je pense qu'on est sur un bon 10 cm. Voilà. Vous connaissez, ce sont des sandales classiques. Avec, je trouve ça cool, ils ont mis avec le truc pour changer là, l'embout. Donc, ça, je trouve que c'est sympa. En soie, donc je les ai essayés. Pareil, c'est ma taille. J'ai l'impression que le talon n'est pas droit. Genre, quand je regardais dans le miroir, je sais pas, voilà. Là, comme ça, genre, j'ai l'impression que c'est pas, ben, c'est pas bien centré. Donc, voilà. Et je trouve la chaussure peut-être un peu molle. Enfin, voilà, j'ai une paire de ce style que j'avais acheté chez Aldo. Pas au même prix, on est d'accord. Qui, pour le coup, me semble beaucoup plus stable et solide que celle-ci. Mais on n'est clairement pas sur la même gamme de prix. Ensuite, ah, mais des lunettes de soleil, parce que de base, c'est pour ça que j'avais été sur le site. Je voulais des lunettes qui cachent, genre, mes yeux, parce que je sais pas si vous avez déjà vu sur Instagram, mais ma paire de lunettes de soleil, c'est une paire œil de chat. Elles sont assez petites et tout, enfin, c'est pas ce qu'on porte, qu'on a besoin de cacher les cernes. Du coup, j'ai commandé celles-ci, je les trouve trop belles. Voilà, je les aime bien, je trouve qu'elles me vont bien. C'est très bien et elles ont une protection 100% UV. Donc c'est parfait. Les verres ne sont pas trop foncés. J'arrive à déverrouiller mon téléphone avec Face ID en les portant. Donc moi je suis très contente parce que c'est galère en fait quand on a des lunettes de soleil et qu'on ne peut pas déverrouiller son téléphone. Ensuite, un autre accessoire, c'est une pochette. Enfin, c'est une sacoche, voilà, comme ça, avec la ceinture et tout. Motif serpent. Je la trouve super jolie. Elle est très très fine, très très petite. Sachant que j'ai un iPhone XS Max, ça ne rentre pas dedans. Du moins, il faudrait forcer. Bon, enfin, j'ai pas envie de l'abîmer. Après, mon téléphone est toujours dans ma main, donc c'est pas plus gênant que ça en soi. Mais si je sais que je vais devoir ranger mon téléphone, je vais préférer prendre ma sacoche Kabax. Je vous l'ai présentée sur Instagram plutôt que celle-ci parce que voilà, elle est vraiment petite. Je peux juste glisser une carte, un billet, un mouchoir, même pas le paquet. Et même mes clés rentrent pas dedans en fait. Mais je la trouve trop belle donc je ne regrette absolument pas mon achat. Je me suis pris un jean blanc, donc c'est un jean slim, comme ça, taille haute, vu que c'est blanc, voilà. Il est complètement blanc, les coutures sont blanches, enfin bref, tout est blanc. Les vêtements, je ne les ai pas encore essayés. Je dois avouer que j'ai un peu peur, parce que j'ai pris ce jean-là en 3 couleurs. J'ai un peu peur pour eux. J'ai l'impression qu'ils sont un peu mal coupés. Donc voilà, ça m'inquiète. Mais en soi, les jeans n'étaient vraiment pas chers. Ils étaient à 12 livres. Donc je me dis ça pour me rassurer. Mais s'ils sont mal coupés, ça va quand même m'embêter. J'ai pris un t-shirt blanc, simple. Les vrais savent que les t-shirts blancs, c'est ma vie. Donc lui, il est moulant, très près du corps, élastique. Voilà, j'adore les t-shirts blancs. J'ai énormément de t-shirts blancs. J'en achète tout le temps. Donc vous allez voir beaucoup de t-shirts blancs. Ensuite, je me suis prise 3 bodys. Donc ce sont les mêmes. Je les ai pris de couleurs différentes. Donc ils sont comme ça en fait. Donc vous voyez un peu comment le col est. En bas, c'est un bouton pression. Donc c'est cool. Et voilà, j'ai l'impression qu'ils seront un peu grands. J'ai pris du 36 pourtant. Mais j'ai peur que ce soit quand même un peu grand. Et les autres couleurs, du coup, c'est un noir et un mauve comme ça. Donc j'espère qu'ils vont vraiment pas être trop grands parce que ça va beaucoup m'attrister. C'est une matière un peu maillot. Hein. Ensuite, j'ai pris cette robe. C'est une robe bleue. Donc colle comme ça. Et elle est très longue. Elle est moulante. Et je la trouvais trop trop belle. Enfin, ça c'est vraiment une valeur sûre. Ça met super bien le corps en valeur. Ça peut être super élégant comme super décontracté en fonction de comment on accessoirise. Et c'est vraiment le genre de robe que j'adore porter. Dans le même style, j'ai pris une robe motif serpent. Donc moulante. Cette fois-ci, ce sont des bretelles. Comme ça. Et ben pareil, elle est très longue. Elle, je l'ai prise en 38 parce que j'avais peur que ce soit vraiment 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 trop moulant. Je pense que j'ai eu raison parce que le tissu est quand même assez fin. Donc ça c'est un truc que lorsque c'est étiré, ça devient transparent. C'est pas le top. Donc je pense que j'ai bien fait de prendre du 38. Ce haut, bon, ça va vraiment pas vous parler comme ça, donc vous allez le voir essayer de toute façon. Juste le détail, enfin, c'est doré.
Genre, il est vraiment doré, il réfléchit la lumière et tout. Et je le trouvais trop beau. Ce sont majoritairement des vêtements pour l'école, donc j'ai quand même essayé de prendre des choses assez habillées et assez, entre guillemets, élégantes, pas trop décontractées, même s'il y a quand même beaucoup de pièces décontractées parce que c'est mon style. Voilà, j'ai essayé de prendre des trucs un petit peu quand même. On a ce haut. Donc en fait, c'est tout simplement une blouse qui est ceinturée. Et voilà, je trouvais que c'était simple, efficace. Voilà quoi, genre vraiment le truc que tu peux mettre avec n'importe quoi. Quand t'as la flemme de t'habiller, tu passes ça et au calme. Là, pour le coup, c'est pas pour aller à l'école. C'est un haut comme ça, noir. Donc le col est trop beau, je trouve. Et derrière, il s'attache avec un nœud. Il est court, hein, ça se voit. C'est un crop top. Juste le seul truc, c'est que la matière, c'est un peu crépi là. Et je pensais pas que ce serait comme ça. J'aime pas trop. Mais c'est là. Ça, c'est une robe sweet. Donc, elle est beige. Je pense que je vais avoir grave chaud avec ça. Mais je la trouvais trop, trop belle. Comme ça. Et voilà. Elle m'a l'air un peu grande. Vous voyez comment ça a l'air doux? Enfin, c'est doux. Elle m'a l'air un peu grande alors que c'est du 36. Donc, j'espère que ça va aller. Parce que ça, si en plus de ça, enfin, si en plus c'est trop grand alors que de base c'est déjà une coupe qui est loose. Je vais pas aller bien loin avec. Ce haut, c'est un haut oversize. Il est un peu court. Les manches sont comme ça. Voilà. C'est du coton. Il est très épais. Donc ça, c'est cool. Je l'ai pris aussi en blanc. Je vais pas vous le montrer aussi en blanc. Enfin, voilà. Ça va aller plus vite comme ça. Je l'ai pris aussi en blanc et je le trouve trop trop beau. Ensuite, un autre t-shirt blanc. Donc en fait, là, j'ai acheté un lot de t-shirts. Donc simple, simple, simple. Il y a un blanc et un noir, donc c'est vraiment le t-shirt basique, le t-shirt un peu large que vous pourriez voler à votre grand frère, votre père, votre mec. C'est pareil. Je l'ai pris en blanc et en noir, donc voilà, je vous ai dit les t-shirts blancs c'est ma vie et les t-shirts oversize c'est ma vie aussi. Ensuite, ce t-shirt beige, donc en élastane, pareil, un peu loose, col V. Voilà, je l'ai pris en blanc également. Parce que je ne sais pas avoir un t-shirt blanc et puis ne pas le prendre. Je l'ai pris en blanc également. Et voilà, c'est de l'élastane, enfin tout simple. Mais il y en a à dire à ce niveau-là. Là, c'est une blouse. Enfin, ouais, ça c'est une blouse. Donc, elle est comme ça. Donc, vous voyez, c'est complètement ouvert. Et en fait, on a une boucle de ceinture qui est ici. Qui est ici. En métal, elle est quand même lourde. Et en fait, on l'attache avec l'autre pan du haut. J'aimais beaucoup la couleur et je trouvais que c'était vraiment le truc simple et pareil, efficace, que je mets avec un jean et basta. Un t-shirt motif serpent, donc classique. Un t-shirt Nirvana, donc j'aime bien les t-shirts Nirvana de façon générale. D'ailleurs, j'en porte un aujourd'hui. Et voilà, je le trouvais trop beau. Donc je l'ai pris, il est gris, il était disponible en d'autres couleurs, mais je trouvais que c'était vraiment le gris qui avait le plus de cachet. Je me demande si j'aurais même pas dû le prendre dans une taille au-dessus pour vraiment l'effet loose et tout, mais bon. Ça c'est une bralette, je vais vous la montrer à l'envers, ce sera plus facile. Donc c'est une bralette blanche, dans le dos c'est croisé. Là j'ai pris du 38 parce que bah, par rapport à ma poitrine en fait, j'avais peur que le 36 soit trop juste, donc j'ai préféré prendre plus grand. J'espère que ce sera pas trop grand du coup. Un t-shirt dalmatien. Il est cintré et tout. Je le trouve joli. Et en fait, il me rappelle un t-shirt que j'avais à l'époque où j'étais au lycée. Et du coup, j'étais obligée de le prendre parce que j'adorais ce t-shirt. Et quand j'ai dû le jeter, j'étais vraiment dégoûtée. Mais je l'avais usé. Et comme ça m'a fait penser à ça, je l'ai pris. Là, on est sur une blouse en broderie anglaise. Noire. Avec des volants en bas. Je l'avais prise en blanche aussi, sauf que ben, ils étaient en rupture au moment de me faire mon colis, donc ils me l'ont remboursé. Et cette blouse-là, je sais qu'elle était à 6 livres du coup, puisqu'on m'a remboursé 6 livres. Donc ça, j'ai retenu. Et ensuite, c'est le dernier haut. C'est une chemise orange, comme ça. C'est du synthétique. C'est du synthétique, elle est un peu large. J'aime bien. Maintenant, on a bientôt fini, on passe au bas. Donc, la première pièce, j'ai vraiment eu un coup de cœur, c'est une jupe en jean, comme ça.
elle est vraiment toute simple, mais pour moi, genre, c'est vraiment la pièce simple mais efficace. J'ai hâte qu'elle s'effiloche un peu en bas. Ce sera vraiment magnifique. Et elle, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc j'espère que ce sera ma taille. Ensuite, donc ça c'est le même jean que le blanc, donc je vais pas le déplier complètement. Lui, ben je regrette un peu d'avoir pris cette couleur parce que je la trouve pas top. Enfin, je trouve qu'elle fait un peu cheap. Donc j'espère que ça va s'user un peu, se délaver au niveau des cuisses et tout. Parce que là, je trouve vraiment pas ça particulièrement esthétique. Et ben je pense pareil que c'est mal taillé, donc je croise les doigts pour que ce soit bien taillé. Ici c'est un autre modèle, donc lui je pourrais pas aller à l'école avec, mais j'adore la couleur. Et en fait je pourrais pas aller à l'école parce qu'il est déchiré au genou. Et lui par contre je pense qu'il est pas trop mal taillé, donc j'ai hâte de l'essayer. Et mais je suis vraiment, enfin j'aime trop la couleur. Mais attention, ça ce sont des couleurs qui déteignent énormément au lavage, donc faut faire gaffe quoi. Limite c'est avec une lessive de noir qu'il faudra que je le lave, en tout cas les 2-3 premières fois, parce que ça déteint à coup sûr. Ensuite, on part sur un jean mom. Donc, c'est mon premier jean comme ça. Sauf que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai un short qui est un peu dans le style. Ce short-là, je le porte H24. Je l'adore. Il est destroy et tout. Enfin bref, je l'aime trop. D'ailleurs, c'est ce que je porte actuellement. Et du coup, je me suis dit que ben, le jean de la même coupe, enfin, d'une coupe similaire, devrait bien m'aller. Donc, j'ai tenté. J'espère que ça va passer. Et là, c'est le dernier jean. Donc, c'est le même que le blanc. Et lui, j'aime trop la couleur. J'aime beaucoup trop la couleur. Ça, ah oui, les vêtements, les jeans notamment, puent. Hein, ça pue vraiment le produit chinois avant. Je pense que vous verrez de quoi je parle si vous commandez sur AliExpress. Et j'adore la couleur, donc pareil, j'espère qu'il va bien tailler. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Mettez un pouce en haut. Abonnez-vous. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.